Salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et oui, cette vidéo, donc oui, vous le voyez, mon cul est tourné juste après, mais vraiment juste après le premier épisode de la saison 0 de cette nouvelle facette du mieux au cube devenu mieux au carré. Et donc, pour cette nouvelle vidéo, donc oui, je vous parle de ce colis, parce que il y a deux choses dans ce colis. Et donc, le premier que je vais sortir sera donc le premier que j'aborderai dans cet épisode. Et donc, le prochain sera dans la vidéo suivante. Parce que oui, ça n'a presque strictement rien à voir. Voilà. Ok. Bah, ça sera sur ça. Donc, je vous retrouve tout de suite avec ce qui en est lié. Oui, ce qui en est lié, c'est que vous vous souvenez de ce livre, de sa suite, que j'avais découvert pendant que je voulais faire une vidéo sur ce livre. Et que après vous savez que j'ai fait une deuxième vidéo diptyque où il y avait ces deux-là. Parce que je me disais, ok, c'est une tétralogie. Et bien en fait, oui. C'est en fait, évidemment, une tétralogie. Et pourtant, il y a une version globale, une version intégrale. Voilà. Annabella, jeune gothique, coquine, introvertie, tombe folle amoureuse de Lord Gontran Leclerc, le riche PDG des supermarchés Leclerc, découvrait l'intégrale de la saga culture qui a fait vibrer d'une ménagère. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi pas mal d'autres histoires dérivées. Donc oui, c'est vraiment une histoire qui fonctionne vraiment bien. C'est vraiment, on a l'entièreté. Donc oui, encore me répéter que oui, j'ai donc pris quelque chose qui est en lien et qui se répète. Ce qui n'est pas forcément faux, mais par exemple, il y a cette partie exclusive. Voilà. Qui s'appelle « Contes et légendes inachevées de la grande distribution ». Donc, c'est éventuellement la suite de ce dernier livre que vous voyez là. Et donc, ici, de toute la tétralogie. Et donc, voilà, oui, ça en fait un bon gros tas, ce qui est très satisfaisant, il faut le reconnaître. Moi qui ai suivi du coup ça depuis pratiquement le début, on est maintenant en 2024, j'aurais dû le dire en décembre avec du coup « Moi, je ». Mais vu l'organisation que j'avais faite de la série Moi-Jeu, justement, ça a fait que je n'en parle que maintenant. Et donc, oui, ça aura fait que je vais parler de la tétralogie en soi en 2023 et donc de l'intégrale en 2024. Bon, on fait comme on peut, mais globalement, je n'ai pas plus à dire sur cette vidéo. Pourquoi? Globalement, parce que, justement, je n'ai pas encore lu ce livre. Une fois de plus, je vous le déballe. En tout cas, dans le reste du colis, ça sera pour une prochaine vidéo. Et ça, c'est tant mieux si je suis tombé sur ça en premier, parce que c'est le livre qui est un peu le moins intéressant, on va dire. Le seul truc que je trouve très intéressant, c'est que faut prendre en compte que ces livres, comme les trois précédents, au toucher, c'est du plastoc. J'ai l'impression que c'est du plastoc. Genre vraiment, c'est... Je vais faire qu'un de mes livres, un de mes textes, par exemple, sera édité comme ça. Mais... c'est vraiment, on dirait que c'est, comment dire, comment vous dire, c'est, la texture est pas ce qu'on attend d'un livre. Je dirais que c'est pas non plus qu'il y a les livres brochés qui sont vraiment durs à la couverture. J'ai oublié les termes, mais je les mettrai là. Mais c'est pas forcément ça, et que là c'est mou, parce que c'est justement le cas de celui-là. Là c'est vraiment comme j'ai l'impression de toucher du plastique, je sais pas. Là, c'est du coup vraiment la texture que je connais, que je reconnais d'un livre. Et c'est super satisfaisant. Et du coup, même à la lecture, je vais me replonger avec plaisir dans Tentation au supermarché. Ça fait, bah, du coup, pas près de 2 mois que j'ai pas lu. Et oui. Donc, ça me fera plaisir de me replonger là-dedans. Et du coup, oui, c'est l'intégrale. Et donc, il a bien pensé son truc. Il aura fait la tétralogie en 2023. Toute l'entièreté, même l'intégrale. Moi, j'aurais parlé donc de l'intégrale après, comme je l'ai déjà dit. Et c'est pour ça que je vais même m'arrêter là, pour ne pas me répéter. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la prochaine vous plaira tout autant, celle qui est donc avec le reste du colis. Mais aussi, je vous laisse regarder d'anciennes vidéos si vous voulez, mais à part ce qui fait partie du New saison 1, vu que ça n'existe plus, comme vous vous en doutiez. Enfin, ça existe encore, mais il faudra chercher. Et aussi, du coup, pour continuer avec tout ça, j'espère... vous retrouvez dans de prochaines vidéos, pas juste la prochaine, dans celles qui sont dans tout le Mew et ses spin-offs. Et moi, je vous dis pour cette vidéo aussi. Au revoir, bye!